Salut la famille, ça fait longtemps qu'on n'a pas pu faire de vidéo. Alors aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo sur l'injection d'un porcelet qui vient de naître. La dernière fois, je vous ai fait une vidéo sur ce qu'il fallait faire. Et aujourd'hui, je vous montre comment il faut faire ça de manière plus précise. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer à quel endroit injecter le porcelet, injecter le fer au porcelet. Et faire des injections de manière générale, à quel endroit exactement sur le porcelet. Vous savez, quand un porcelet vient de naître, il est un peu plus sensible. Et par conséquent, il y a des nécessités à faire. Il y a des nécessités à faire. Donc je vais vous montrer exactement où, comment injecter le porcelet et avec quoi. Donc suivez cette vidéo minutieusement pour comprendre comment faire ce processus-là afin de limiter les mortalités à la naissance des porcelets. Très important pour la réussite de vos naissances, pour la réussite de vos futurs reproducteurs. Donc savoir injecter les porcelets. Donc si cette vidéo vous plaît, likez et abonnez-vous et partagez la vidéo massivement parce qu'elle peut vraiment aider quelqu'un qui est en difficulté, qui ne sait pas comment s'y prendre. Donc je compte sur vous pour partager la vidéo à quelqu'un qui ne sait pas comment faire avec les porcelets qui viennent d'être dans sa ferme. Donc à tout à l'heure. Voici un porcelet qui vient de naître. Comment faire l'injection intramusculaire sur le porcelet? Donc, d'autres font dans la cuisse, mais souvent dans la cuisse, le produit ne part pas complètement. Donc, lorsqu'on fait l'injection dans la cuisse, le produit ne part pas complètement. Et parfois même, on se retrouve en train de déchirer le ligament du porcelet. Donc, ce qui fait qu'après, ça lui crée des problèmes de déplacement. Donc, moi, avec le temps, avec l'expérience, j'ai opté pour une injection dans le cou. Et dans le cou, j'ai remarqué que c'est plus efficace. Alors, comment faire une injection dans le cou? Comment faire une injection? Déjà, il faut savoir arrêter le porcelet. Donc, moi, voici comment j'arrête le porcelet. Une fois que j'ai pu arrêter le porcelet, même si c'est bas, comment il ne pourra pas sortir de la main. Donc, quand j'arrête comme ça, les pieds vont garder une partie du porcelet. Donc maintenant je vais cibler le centre du cou. Je ne sais pas si vous voyez le centre du cou. Donc quand on vient comme ça, c'est pratiquement vers la nuque. Quand on vient comme ça, c'est pratiquement vers le centre. Et quand vous mettez le doigt là-bas, vous ressentez un creux. Donc vous sentez la chair ici, vous sentez la chair ici, mais ici au milieu vous sentez un creux. Donc, et ici dessus, quand vous mettez la main comme ça, vous sentez la chair. Comme ça, c'est le squelette du cou. Et ici au milieu, il y a un creux. Donc entre la nuque et le squelette du cou, il y a un creux. Donc, et ici comme ça, vous sentez aussi la chair. Donc c'est au milieu là. Il y a un creux là quand vous allez mettre le doigt, quand vous allez balancer, quand je balance là. Vous allez ressentir un creux. C'est là-bas que la seringue va partir. Et maintenant, je précise. Pour les porcelets, on va dire les porcelets qui viennent de naître jusqu'à les porcelets même de 5 kg, je vous recommande d'utiliser les seringues de 2 mm. Donc l'avantage de la seringue de 2 mm, c'est que son aiguille est plus court et plus mince. Ça veut dire qu'il va moins laisser un trou au niveau de la peau du porcelet. Parce que parfois quand vous injectez, vous allez remarquer que avec la seringue de 10 mm, que l'aiguille va traverser complètement le cou et sortir de l'autre côté. Et là, c'est un danger. Donc, c'est mieux d'utiliser la seringue de 2 mm parce qu'elle est plus courte et plus petite. Ça fait que quand vous injectez, le trou reste plus faible. Et là, vous pouvez mettre le produit facilement. Donc là, je vais passer à l'acte pour que vous puissiez voir comment faire une injection dans le cou d'un porcelet qui vient de naître.
parce qu'il est plus sensible. Il est plus sensible. Et vous avez vu comment j'ai arrêté. Ça, c'est pour éviter qu'il ne se batte. Et ça permet de stabiliser l'injection. Donc, voilà, on passe à l'acte. Là, je m'assure vraiment de l'emplacement de creux. La seringue va aller dans le creux. Donc, vous voyez que j'ai tout mis la seringue. J'ai tout mis la seringue. Là, je peux commencer à pousser le produit. Donc là maintenant, pour le nombre de milli à injecter, ça dépend du poids des porcelets à la naissance. Si vous avez des porcelets qui naissent à plus de 1,5, je vous recommande de mettre le produit, le fer, parce que là actuellement c'est le fer que je suis en train de faire. Je vous recommande de mettre le fer à 1,5. Ça dépend des entreprises, hein, parce que les entreprises que même si le porcelet a 2 kg, c'est toujours 1 milli qu'on donne. Ça dépend vraiment des entreprises. Donc vous voyez comment le fer se comporte. C'est vraiment comme le sang. C'est très concentré. C'est très concentré. Donc c'est ça qui va faire que le porcelet évite l'anémie. Donc là, je vous montrer principalement comment faire l'injection sous-cutanée sur un porcelet. Donc là, vous avez vu le style de seringue. Et là, vous avez l'injection proprement dit, avec la position exacte dans le corps. Donc même chez les gros porcs, c'est principalement comme ça, de la même façon. Quand vous allez mettre le dos, vous allez sentir un creux entre la nuque et le milieu du cou. Et donc de tout le côté, c'est presque au milieu. Vous évitez la colonne vertébrale du cou, parce que ici c'est la colonne vertébrale du cou. Quand vous mettez le dos, vous allez ressentir que ici là, c'est l'os qui porte le cou. Donc on va dire, c'est l'os qui porte la tête plutôt. Donc là, vous allez ressentir vraiment cette zone. Donc ici, il y a un creux entre la nuque et le cou, il y a un creux. Et entre la tête et l'épaule, il y a un creux. Donc là où principalement il faut passer à l'injection. Donc, si vous avez compris, likez, abonnez-vous et partagez massivement la vidéo.